Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la sexualité. Le contrat. L'étranger. Derrière, on a le rêve, la jalousie, oula, le voyage, l'argent, la séparation. Bon, alors ici, il y a des énergies négatives qui font en sorte que vous ne réalisiez pas quelque chose. Il y a un souci aussi avec une rupture. Vous attendez une rentrée d'argent ici ou que, là, vous allez revoir vos comptes aussi, hein. Vous allez regarder où passe votre argent. Mais il est possible ici qu'on ne vous redonne pas une somme d'argent. Là, vous êtes en train d'être dans les démarches par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est injuste là. Hein. Ce n'est pas équilibré du tout. Bon, on parle de la fin d'une illusion ici. Vous allez voir qu'il y a une situation néfaste qui est là. Hein. Et vous allez regarder de plus près avec le voyage. Hein, et le fait de se mettre dans les démarches, pardon, de s'activer, d'être dans l'action. Hein. Donc, sexualité, contrat étranger. Ici, alors, on peut parler hein, de contrat, d'engagement avec l'international. Ça vous fait plaisir. Il y a des échanges avec d'autres pays aussi. Pour d'autres, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, là. Il y a une concrétisation qui arrive. Ça peut être une proposition d'emploi, une proposition d'achat, une proposition de prêt, pourquoi pas, ou d'investissement financier, peut-être ailleurs. Alors, c'est peut-être pas forcément un autre pays, mais c'est ailleurs. On avoue que vous soyez un homme ou une femme, la sexualité, la maison et la famille. Bon. Alors, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une donation ici pour certains et certaines d'entre vous ou le fait d'acquérir une maison, alors, un logement, on va dire, parce que ça peut être un appartement, un logement secondaire à l'étranger, là, ou alors c'est un héritage. Il est question aussi de concrétiser, pourquoi pas, un voyage. Ou alors, si ce n'est pas à l'étranger, ça peut être aussi dans une autre région de France, hein, mais il y a le fait aussi, pourquoi pas, de réserver hein, un logement ici, clairement, par rapport à un événement familial. Derrière, on a la projection, l'examen. Ouais, vous vous libérez là d'une certaine forme de confusion, les choses sont claires. Et avec la maison, c'est la carte de la maison, c'est du solide. Hein. Là, vous vous engagez sur quelque chose de fiable. En tout cas, il y a quelque chose qui vous attire fortement et qui vient de l'extérieur. Allez, on va regarder avec Jack. On va juste les remélanger. Hop. Qu'est-ce que a à vous dire Jack pour votre semaine, les Verseaux? Imprévu à gérer. Changement majeur à venir et personne prudente. Moi, j'ai plutôt l'imprévu ici. Pour moi, c'est pas forcément négatif. Qu'est-ce qu'on a? Un conflit d'intérêts en vue. Vous rompez avec le passé. Résilience face à l'adversité. Pour moi, vous sortez la tête de l'eau ici. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a quelque chose qui fleurit aussi. Il y a une récolte là. Jalousie, perte importante et achat ou dépenses. Là, ça me ressort ce que je vous ai sorti tout à l'heure au dos du paquet là. Il y a quelque chose qui est néfaste. Alors, soit c'est des prélèvements qui n'ont pas lieu d'être, soit vous avez trop payé ou il y a quelque chose qui n'est pas juste par rapport à des dépenses, par rapport à ce que vous avez payé. Donc ça, c'est à gérer effectivement. Mais on voit là qu'il y a autre chose qui se termine là, pour vous et vous allez rebondir là. Il y a peut-être un nouveau contrat de travail autre part ici, qui est plus, comment dire, valorisant pour vous. Bon, on voit que vous êtes prudent, prudente. Hein. On voit que vous observez beaucoup, vous analysez les choses. Hein.
Alors qu'est-ce qu'on a au dos? Personne influente, calme retrouvé, rencontre agréable, célébration faite et vous faites une pause. Donc là, si vous aviez, on peut parler d'un juge ici, on voit que c'est en votre faveur, il y a une personne assermentée ici avec qui vous avez rendez-vous et vous allez pouvoir souffler enfin. Il y a une sécurité qui revient. Pour d'autres ici, ouais, on peut avoir, si c'est pas une personne assermentée, c'est un conseiller ou une conseillère ici et vous avez trouvé la bonne personne pour vous aider. On a quoi? Solitude temporaire, élévation spirituelle, intimité, sexualité. Vous appréciez les plaisirs simples et vous faites preuve de discernement. Ouais, vous avez peut-être besoin, ouais, de vous retrouver. De vous retrouver. On voit que là, clairement, vous avancez sur votre chemin de vie. C'est plutôt positif, là. Ambition, bonne entente, plaisir partagé, visite inattendue mais plaisante et méditation. Là, et clairement, vous avez une opportunité. Là, j'ai un patron ou une patronne, une chef d'entreprise, un chef d'entreprise, hein, avec qui vous allez bien vous entendre, ou un supérieur hiérarchique. Et on voit ici que vous avez le soutien, hein, de cette personne. Vous pourriez avoir aussi... ouais. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre aussi, une personne qui va vous guider peut-être pour une période. Mais c'est positif. Alors on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? La fin d'une période stressante. Hein, vous voyez? Solution alternative à trouver. Et confidence. Ouais. Vous faites attention à qui vous vous confiez, hein, par rapport à ce qui vous arrive là. Donc on vous dit bien qu'il y a la fin d'un stress. Vous passez à autre chose. On risque de vous décevoir. Personne jeune d'esprit. Bon là, il peut y avoir ouais, une personne un peu immature. Oh là là, je vais y arriver. Immature. Ou m'as-tu vu, un petit peu comme ça. Hein. Ouais. Alors c'est aussi une personne qui vous a peut-être déçu dans le passé et que vous allez revoir sur cette semaine. On a de nouvelles amitiés qui se créent, de nouveaux liens qui se créent au-delà de l'amitié, hein. De nouveaux liens, ça peut être un lien professionnel aussi. Il y a une certaine forme de lenteur. Mais c'est pas une stagnation, quelque chose de lourd là. Vous voyez la situation sous un autre angle, peut-être aussi. Que vous vous dites que tous ces retards, tous ces imprévus que vous avez eus, tout ce qui a été un peu compliqué les derniers temps, finalement, vous voyez les choses différemment et vous vous dites que c'était justement pour un changement majeur dans votre vie. On a bien un changement, changement d'entreprise, changement de lieu de vie. Ça peut être aussi la vente d'un bien. Ça peut être un contrat, du coup, là, un gros contrat. Alors, si vous êtes commercial, par exemple, hein, on peut parler de gros contrats que vous allez signer. Il y a une forme de reconnaissance. Vous allez gagner en responsabilité. C'est pas plus mal, hein, c'est bien. Et après, il y a des visites aussi. Si votre famille ou des personnes de votre environnement familier habitent loin. Moi, j'ai de la visite ici. Hein. Allez, on va regarder avec le j'aimerais te dire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau affectif et sentimental, je fuis avant d'être abandonnée et je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. Donc, soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est une personne en face de vous. Alors, on va regarder avec le Power of Love. Alors, à la coupe, on a le rapprochement. Sortie et soirée. Bon, vous pourriez faire une rencontre, les célibataires, lors d'un événement. Et pour celles et ceux qui sont en lit, en relation, pardon, en couple, ici, on a une sortie qui vous a rapproché. Triangle amoureux passé, ouais. Il y a une situation du passé là qui vous a peut-être causé du tort. Ok. Pour d'autres, les célibataires, peut-être qu'il y a encore une expérience passée là, qui est encore présente. Alors, allons voir ça. On a la dépendance affective, la blessure. C'est encore présent le passé. La jalousie. Waouh, waouh, waouh. Bon. Il y a des reproches, il y a de la tension dans l'air pour les couples et pour les célibataires aussi. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher par rapport à un passé. On a le retour, le oui.
la rupture. Alors, vous et l'autre personne en face, l'ex, hein, parce que là, c'est clairement ça. Ouais. Vous n'arrivez pas à vous lâcher. Vous n'arrivez pas à vous lâcher. Il y a une question de rivalité, d'ego aussi ici. On voit qu'il y a un retour sur cette semaine. Mais là, on voit qu'il y a de la rivalité par rapport à la rupture. On ne veut pas que l'autre parte. On ne veut pas que l'autre quitte la relation, sauf que la rupture est déjà actée, là, de ce que j'ai. Hein. Pour d'autres ici, vous êtes en couple, mais il y a cette forme de jalousie. Vous êtes, bon, on voit qu'il y a une blessure, hein, il y a un manque de confiance en vous, manque de confiance en l'autre. On voit qu'il y a le retour de cette dépendance affective, du fait de demander de l'attention, de la présence. Ah, il peut y avoir une rupture. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? L'invitation. L'évolution. La relation discrète. L'ange de l'amour. Le conflit. Pour celles et ceux là qui sont dans un retour où vous espérez une évolution, eh ben clairement là, alors l'évolution c'est pas celle que vous espérez. C'est-à-dire que effectivement vous allez revoir cet ex. On voit qu'il y a une évolution, non pas dans la relation, mais par rapport à votre blessure. Ici, vous allez comprendre que bon, il y a toujours cette histoire de relation légère ici, et ça ne vous plaît pas. Pour les couples ici, bon, alors vous soupçonnez l'autre de flirter avec quelqu'un d'autre. Ça a créé une rupture là. Ou alors c'est parce que il y a un entourage. Ouais, j'ai l'entourage, le flirt. Vous avez des doutes. En fait, vous êtes dans la confusion. Alors, ouais, ça n'arrête pas. Ouais, mensonge. Parce que votre partenaire, il ou elle, n'est pas authentique. Hein. Il est instable. Hein. Il y a quelque chose de... Ouais. Il peut y avoir une rupture parce que vous comprenez que il ou elle papillonne ailleurs. Ouais. Et pour les célibataires ici, il peut y avoir une rencontre. On voit qu'il y a une évolution quand même, mais vous êtes tiraillé. Je fuis avant d'être abandonné. C'est vraiment ça. C'est que du coup, comme vous êtes encore blessé, disons que vous êtes dans une phase de guérison, la personne en face de vous, soit elle peut avoir un comportement maladroit, soit quelque chose qui est plus ou moins, enfin, qui n'est pas grave, finalement, pour vous, ça l'est. Et vous risquez d'avoir des réactions émotionnelles très vives. Et du coup, couper la relation. Et ben, hop. Vous avez une personne qui ne vous lâche pas non plus. Hein. C'est possible que vous... Là, il y a un ex ou une ex qui ne vous lâche pas et que vous poussiez une gueulante aussi hein, sur cette semaine, les Verseaux. Hein. Tout à fait possible. Et peut-être parce que vous n'êtes pas assez positionné ou affirmé, hein, c'est possible. Ou alors, jusqu'ici, vous avez été, on va dire, dans le respect, dans voilà, la bienveillance, etc. La personne, elle ne veut pas comprendre. Donc, je pense que vous allez sortir les griffes hein, pour certains et certaines d'entre vous. Allez, c'est parti. On fait le message par des camps. Alors, premier décan, deuxième décan, et le troisième décan, il est là, voilà. On y va, et qu'est-ce qu'on a au dos? Pour tous les Verseaux, concentre-toi davantage. Premier décan, tu dois vaincre tes peurs. Deuxième décan, patience, cela arrivera au bon moment. Et troisième décan, rien n'est figé. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.